Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Aujourd'hui, c'est vendredi, nous sommes contents et nous vous remercions de votre fidélité. Nous accueillons sur le plateau aujourd'hui deux groupes d'invités. Dans un premier temps, deux chefs seront avec nous. David Destinoble, Alain Lemaire et Jean-Paul Larac en tant que réalisateur d'une émission qui va être bientôt diffusée sur Télémétropole. Donc, ils sont avec nous pour nous parler du lancement de cette activité qui se fera ce 7 mars à la réserve. C'est avec plaisir qu'on va les accueillir sur ce plateau aujourd'hui. Et dans un second temps, nous accueillerons Madame Joanne Garnier, et avec elle, on parlera de la journée de la radio et de la télé en faveur des enfants. Commençons avec les chefs. Les chefs d'abord, ce n'est pas les femmes d'abord, les chefs d'abord. Messieurs, bonjour, merci d'accepter d'être avec nous ce matin à Métropole, témoin avec réalisateur. Et Jean-Paul Larac, bonjour. Bonjour Wendell et bonjour à tous les auditeurs et à tous les téléspectateurs de Radio et Télémétropole. Chef David Destinoble, bonjour. Bonjour Wendell, bonjour, merci pour l'invitation. Alain Lemaire, bonjour. Bonjour, bonjour, merci pour l'invitation. Et salutations à tous nos auditeurs et nos personnes voyant la télévision. Voilà. Messieurs, nous ne parlons pas aujourd'hui là de ça, mon chef y est. Ça, qui ça, mon chef y est. Et c'est ça qui va permettre de nous mettre l'accent sous Sanorélé, émission qui va le faire là, et puis le lancement qui va le faire. D'abord, il paraît que c'est un concours qui va le réaliser. D'abord, avant de dire ça, chef Lanier, témoin avec Jean-Paul Larac, les mêmes qui parlent dire et demain soir, ça va le passer. Au fait, demain soir, c'est lancement, disons, grande première en émission que nous mettons sous pied, qui est Le Chef. Son émission qui mettait en vedette des chefs de cuisine. Côté chef, ça a affronté en compétition et pour remporter titre de Le Chef de la soirée. Mm-hmm. Donc, au fait, c'est même genre avec un match tennis ou un match box, mais au lieu chef, c'est à raquette ou bien c'est à gants et à boumets, c'est avec instrument, c'est manger à faire, et puis pour garder qui est dans le lieu à faire, puis bon manger, puis belle manger, et manger qui est plus original. Là. Ok. David Destinoble, dis-nous, qui est un chef? Ça, un chef y est? Un chef, c'est un cuisinier professionnel. Un monde qui a l'école, qui vient apprendre le métier à culinaire, là, qui au moins de 2 ans, 4 ans ou bien 6 ans. Un chef, c'est un cuisinier qui doit être un cuisinier qui prend un métier là, en sorte d'apprentissage, qui vient apprendre pour un temps. Mais pas tout chef, pas même. On sait des chefs qui ont un niveau d'éducation, puis qui viennent gagner, on sait des certifications, qui viennent rendre un chef qui travaille dans un hôtel, qui a un manager. So, un chef, c'est un leader. Un manager qui est responsable en brigade en cuisine, qui a une brigade, qui a un assistant, qui a un commis, qui a un sous-chef qui est en bas. Ça veut dire qu'on a équipe qui travaille. Une équipe, exactement, qui travaille avec lui, qui pour soutenir et qui pour exécuter l'ordre chef là-bas. Donc moi-même, je suis exécutif chef, je suis certifié exécutif chef. Qui ont un différencié moi-même de on bon pas différencié non de son autre niveau qui est plus haut dans le domaine chef là. Et témoin avec Alain. Alors quel est ton chef ou même? Bon oui, on a dit que m'a poussé sur 13 ans que m'a fait métier sur le point et professionnel et m'a évolué aux États-Unis. Donc son bail que moi vraiment aimé faire, son bail que moi depuis petit et que comme la donne donc c'est ça que je m'en fais. Mais vous apprenez même genre avec collègues ou? Oui, oui. Et côté qui comique, c'est que nous tous les deux étions même l'école, l'université. Pas dans le même temps, mais même l'école là. Et puis, par fortune, mais par don divin que nous venons rencontrer Kounia et puis que nous travaillons ensemble. Nous toujours dit en Haïti,
dame ça pas rien dis doit li. Donc monsieur ça aussi pour monsieur. chef cuisine ouais, pas ouais, ouais. N'a la prendre. Bon chance pour moi-même, bon Alain tout. Nous moi-même me grandir en famille qui était au moment manger voilà toute famille haïtienne manger joue un gros rôle n'est pas seulement pour manger seulement pour fête pour communion toujours gain manger moi-même maman me fait manger en pile et il était bon mon petit opportunité tout ici pour me suivre comment on sait des techniques faites la manger haïtienne là so, depuis longtemps des on gens influencé me cadeau que moi-même depuis qu'on aime jeune garçon pas de gon l'autre bagaille on comme devrait faire c'est manger. C'est faire manger est-ce que c'est pareil pour de vos petits ou les venir faire manger bon et bon ben, histoire pas blanc tout différent c'est juste que maman de qu'on prend faire le marché avec elle elle fait activité pour l'église et de là moi j'ai une passion que moi que mesdames a fait manger j'ai fait manger et moi même des désirs pour me répliquer ça est à faire. Et donc moi-même les mots de la caille mais pas rien mon là tombé faire manger est-ce que c'est pour rendre utile bon c'est juste par curiosité au début et par des que moi de même manger et que donc les commencer faire manger moi inviter les amis venir la caille là pour faire manger pour eux. Donc c'est qu'on soit ou une décider pour apprendre pour venir. Oui moi j'ai toujours eu un intérêt pour le milieu hospitalier pour entretenir les gens. Donc, et moi, je viens joindre que au café tous les deux en même temps, bon manger et puis entretenir les personnes avec la nourriture. Ok. Et maintenant, ça va le passer demain soir? Bon, demain soir, nous avons. C'est-à-dire que les gens déplacer. Oui. Nous à qui ça doit attendre? Bon, nous avons un gros spectacle pour les gens déplacer demain, si je veux. Nous avons. Bon, nous avons. On souhaite de welcoming, bienvenue à tout le monde qui a signé un autographe, qui a pour faire photo avec eux. Nous avons commencé à 7h. Après ça, nous avons montré une émission qui a été faite, le chef, qui a été faite avec la saison 1. Et après ça, on combat avec contre le chef Alain qui te font match nul. C'est la première fois que ça fait, un match nul te fait dans le chef. Ce qu'on a là, moi, Alain, on a pu refaire combat ça pour voir qui est le chef. Les gens sont au public, on a bien pour le battre bravo, pour encourager. Oui, qui est-ce que ça va passer? Bon, le public là, a qu'à vivre live, ça qui fait normalement dans le studio et le chef. On a pu aller voir que même avec chef David, nous avons tout qui est non manger choisir pas le voler tout bagage ça même moi pega mais nous pensons que c'est gourmet non pas le gourmet c'est monsieur déjà victime là bas c'est pas comme monsieur qui a beaucoup de points non c'est bon manger qui peut le faire et moi nous parlons des choses plus ouais plus pressant bon manger puis qu'à expérimenter en direct ça qui fait normalement que vous pas le ouais dans télévision. Avant moi ouais avec Jean-Paul Lara qui lui-même pour réaliser show et qui type de monde que nous inviter et monde qui compte goût bouche ou bien monde qui ca manger en pile mon cher on mixe de deux monde qui compte goût bouche monde qui t'a aimé expérience faire expérience au cuisine dans l'autre façon. Et bon mon cadeau que moun ki on jan gon jan en cuisination ou besoin qu'on est comme un chef yo fonctionner je me crois un groupe moun comme ça nous investir alors on gonti un point qui attire attention que m'ta vle retourner sur lui c'est le fait que en pile nous fait état de enfance nous les gens qu'on a observé bagaille mais t'as semblé que tout haïtien pas de même chance là parce que à un certain moment de la durée, les petits garçons n'ont pas de gain droit paraître bonne cuisine. Ils ont toujours laissé nous connaître que à faire cuisine c'est pas une fille. Et si vous sont petits garçons ou étaient bonne cuisine, bon, par contre ils sont techniques anciens parents nous ont qu'on utilisé pour nous pas brûler dans la cuisine parce que qui dit cuisine dit du feu. Mais on a toujours fait que bah ça pas les petits garçons que les petits garçons pas dans la cuisine. Et si vous décidez de faire manger, vous allez parler le garçon m'a commé, etc. Donc nous-mêmes, depuis une petite affaire expérience, est-ce que son, nous avons dit que son chance est pour nous? Parce que le résultat, si les garçons sont eux-mêmes, qui n'ont pas de temps à apprendre à faire manger depuis que vous êtes tout petit, ils ont levé
sort dans le domaine là, il va pas faire manger, il va pas faire rien du tout. C'est qu'a dit que c'est que nous fait choix et que nous concours m'a pas menti que les moi même moi t'ai décidé que c'est ça que je devais poursuivre comme carrière. M'a dit que m'a pas gagne monde qui pas dit non pas faire. Mm-hmm. Parce que j'étais toujours on regarder 10 15 ans de ça et même dans l'année 2000 yo, ou pas content que les garçons n'a fait manger. Mm-hmm. Ou les garçons la cuisine. Même est-ce que pas de pire dans province? Par exemple, un petit monde qui grandit en province, est-ce que pas plus dur pour les pas vraiment qu'un loin loin cuisine? Mon chef était plus strict. Même cadeau tout malgré même dans le commencement que maman m'a fait manger en pile, mais à la cuisine pas était ça seulement mon n'a pas de l'eau faire zan mon tout là dans cuisine là yo le gens doit le garçon m'a comment bon tout non. Mm-hmm. Mais problème monsieur pas de penser. Dans la cuisine, c'est là toute fille est. Mm-hmm. Ou pas garçon ma gomme. Ou pas blanc. Parce que si une fille là, c'est que c'est pas un problème. Moi, avantage, j'aime bien sur yo. Là, on pense moi-même, le bagage fille m'a réglé la garçon ma gomme. Et bon, c'est là toute fille est dans la cuisine. Je dis à mon chef, réaliser ville bien, faire ville cop. Mon cher, deux pans. Mais pour bien que chef, il fait cop. Mais pas en pile cop. On fait pas quand même. Bon oui, c'est une question de son carrière, son bac de choisir fait. Dans tout métier, on toujours passer étape pour arriver à un point pour confortable dans son affaire. Si on pense qu'on parle venir chef pour dire que bon, moi chef dans la télévision tout côté, bah ça on ca faire tout. Oui, on ca faire mais pas penser que du jour au lendemain que ça fait. Parce que d'abord dis-nous ça, si m'a observé que j'ai fait manger la caille, est-ce que ça va suffit pour que me réaliser que j'ai un talent pour le maintenant et que m'avait un cordon bleu, m'avait un grand cuisinier. Bon, on a un talent, mais le talent faut qu'on exploite aussi. C'est pas juste prendre talent et puis qu'on est que on le faire avec ça pour aller de l'avant. Faut qu'on prenne talent, on l'exploite, on le faire des études ou puis on l'apprendre mais on l'autre chef qui est déjà établi pour venir apprendre si chef ça pour qu'apprendre les trucs du métier, les techniques du métier pour qu'on connaît qui ça pour faire qui j'ai pour faire parce que chef là j'ai nous t'a dit en avance ou son leader ou conseiller ou mathématicien parce que tout ça rentre dans manger à tout. Mm-hmm. Ou pas qu'à juste décider ou voyer manger monter. Mm-hmm. Et puis manger à gaspiller à la fin ou mais pas assez manger. Mm-hmm. Donc il y a des études qui pour faire, il y a des notes qu'on apprend. Ou pas besoin à l'école précisément pour qu'a gagne un diplôme pour qu'a dit que c'est chef ou yé. Mm-hmm. Bon, éducation très importante et que moi encourager ça en pile même qu'on est un pile chef tout qui fait apprentissage qui vient développer technique là la caillou il apprendre bon minimum sur la caillou. Oui. Monsieur n'a pas petit camper quittez moi avec réalisateur les mêmes et qui au nom de Graph City c'est dit pas réaliser show ça d'abord en fait juste une petite précision. Mm-hmm. Wendell show déjà réalisé tous les 8 shows qu'ap gain pour saison 1 yo déjà dans la boîte yo filmé tout combat fait déjà tout bagaille prêt à être diffusé sur Télémétropole. OK. Donc kounyen c'est pas le lancement. Mm-hmm. Et a bon match d'exhibition jour soir ça tout. OK. OK. Dis-nous pour qui ça une initiative comme ça? Bon, il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, et nous remarquer que dans le domaine audiovisuel là, gon manque de contenu télévisé, on manque de contenu original haïtien. Et tout le monde connaît, tout le monde constate que il y a pile programme étranger qui a passé dans la télévision. Donc, son milieu que nous-mêmes, Graph City, qui a presque 15 ans dans le milieu audiovisuel, là, que nous dit bon, son espace à exploiter pour nous préparer, pour nous rentrer dans la production télévisée, pour nous faire préparer des contenus pour la télévision. Mais qui ça peut utile au monde qui a observé une émission comme ça? Ça ne l'a pas prendre? Premièrement, et premier but émission, c'est faire promotion hors culinaire et faire promotion cuisine haïtienne, hein? Faire promotion métier de chef là en lui-même. Parce que nous connaissons tout haïtien remet manger, tout haïtien, en pile haïtien remet faire manger. Bouche mais là, c'est ça, c'est ça. Là, c'est mettre, montrer cuisine haïtienne là, en l'autre niveau, un niveau haute cuisine, et puis son émission à caractère éducatif, tout parce que tout le monde. Ou pour l'apprendre, qui j'en chef fonctionner, qui j'en série de bagages fait de
des bagages qu'on pas même pensé au café avec ingrédients et qui l'ont que utilisé et d'habitude dans la cuisine haïtienne et pour chef eux-mêmes il a réalisé des bagages extraordinaires avec. Donc bon maintenant on fait un petit peu OK émission produit déjà ou bien réalisé déjà toute émission produit yo paré à diffuser et a commencé à diffuser à partir commencé à diffuser bon show à plan c'est samedi la semaine d'après le vendredi 13 mars à 7h, à partir de 7h sur Télémétropole, on a lancé l'émission. Donc c'est une émission par semaine? Une émission par semaine, c'est un rendez-vous hebdomadaire. Chaque semaine, on a une nouvelle émission. Et on a une reprise dimanche et on l'autre reprise le mardi. Ok, maintenant, on va faire un peu qu'on a sur demain soir. Demain soir, donc... Ça va passer demain soir? Au fait, qu'est-ce qu'on devait faire? Nous, Graph City Anessa, nous voulons essayer de changer et qui gens ont fait télévision en Haïti, qui gens yo fait programmation pour télévision donc n'a plan ces émission ça nous dit nous pas ta pas lancer nous pas ta pas juste passer dans télévision nous dit n'a font gros campagne d'elle et puis n'a font soirée de lancement pour tout le monde vraiment et gens ça fait en pays étranger pour font bagarre grandiose et puis pour mettre tous les regards tous les projecteurs sur émission ça donc n'a font soirée de lancement dans la réserve le 7 mars premièrement et dans première partie soirée là on va rencontrer tout chef yo qui t'ai participé dans l'émission. En forme, tout est plus de 14 chefs qui participent dans la compétition. Ça. Et donc, on a rencontré, faire photo avec eux, poser aux questions. On a ouvert tout pour nous recevoir de l'autre chef qui t'a remis inscrit pour la prochaine saison, qui est pour venir, saison 2A. Et ça, c'est la première partie. Ensuite, on a projeté en primeur pour le public là, une émission. Donc, le public là, après avoir émission, ça avant tout l'autre monde. Et puis après ça, en fin de soirée, n'a gain et on combat entre deux ou un groupe de chefs cap là. Et alors préciser, bon, ça, préciser pour auditeurs avec téléspectateurs, moi le dit y a un combat. Oui, parce qu'en général, les gens nous dit combat, moi je coup de poing pour le tirer. Donc ce sera pas le cas. Au fait non, ce sera pas le cas. Ça n'a fait n'a c'est comme si n'a transporté n'a transporté studio Graph City studio le chef là n'a réinstallé tous les deux cuisines yo dans la réserve et moun yo pral ka vivre en direct qui jan ça t'est fait qui jan émission t'est fait donc chef yo pral gen yo chaque plan cuisine pa yo et puis y a gen 45 minutes pour préparer on et trois plats yo chaque et puis c'est ça combat vous avez 45 minutes oui. C'est ça. Au fait, une règle l'émission, c'est que ou gagne deux chefs, 45 minutes, ou gagne deux ingrédients secrets. Ça veut dire chef pour qu'on ne savait pas le cuit là. C'est l'heure arrivé sous place que découvrir ingrédients secrets et puis là déjà de là faut gagne imaginer qui savait pas le faire pour flatter Jujo. Pour ouais. C'est gagne. Même si j'ai l'aime des petits le monde là quand m'a fait manger. Bon ben améliorer les faux poids pour lever oui c'est son poids un poids sèche et ils mettent le toute journée font pas qu'un temps parce que là pour le bouillir et puis pour le crever pour le capable manger et puis mais ça c'est beaucoup vrai manger non c'est pas long petit mais ou bien dur ou bien maillé à part donc là on partit pour n'importe deux heures de temps mais 45 minutes ou dit monsieur parle rien est-ce que mon capable manger ça ouais j'ai 45 minutes là toi top temps hein. Pour préparer à manger. Oui. Oui. Ça dépend de qui sont faits. Est-ce que c'est manger est-ce que c'est manger jouette ou manger non, oui. Bon manger. Ça dépend de qui sont faits. Il y a des techniques que nous gagnons, que nous apprenons pour nous utiliser différents. Ça dépend de qui vient observer, qui et légumes observer à base pour qu'à cuire de façon plus cuite rapide. Justement, en parlant de viande, d'un point de vue de viande, faut le tremper. Et faut le tremper, faut pas que temps à tremper. Non, pas exiger. Non, mais on a parlé de cuisine créole. Non, pas de cuisine, non, cuisine créole là dedans tout. Alors, bon, regarde nos dernières compétitions de faire, nous t'ai fait, nous t'ai gon gigot cabrit. Et puis nous avons 45 minutes pour gigot cabrit là, ça veut dire que vous obligez qu'on a appliqué technique au bonhomme là, ça veut dire qu'on est obligé de couper le petit, obligé de couper le pi fin. Hop tout bas monsieur. Non. Et juste ma prédote là. On prend note. Si me ca ajouter Wendell et non seulement chef a gagne pour préparer un vrai manger, pas un manger jouette, mais a gagne des juges qui là yo. Dans juge yo, gagne trois juges sous panel là
gen deux qui c'est des connaisseurs en cuisine, gen c'est gen doit un chef, c'est gen doit un monde qui fait restauration ou bien qui dans hôtellerie et a gen un autre juge qui ca en célébrité ou bien un monde qui a représenté public là. Donc c'est des monde qui quand même qui connaît ça va le juger là. Donc si manger a pas bon si vient introduit, c'est ça a refléter l'emploi. OK. Ah ben monsieur nous voilà comment ça va passer le monsieur veut monsieur de nombreuses choses mais être la monde qui gagne ça qui remporte prix ça n'a pas le chef ah le titre alors le titre mais où gagne déjà non c'est le chef je parle très bien le monsieur le chef déjà mais fois ça nous parle le chef ouais merci infiniment merci. Pour participation dans show ça matin hein. Et donc la compagnie nous remet encore non c'est gratis et bon malheureusement il est pas gratis parce que bon il y a des frais qui associés à soirée ça c'est $25 pour soirée et vous dites que c'est monde ça quoi c'est les manger fin fête n'a distribué le bail monde ou bien on a vient acheter un menu spécial cap là cap bien des plats de différents chefs là dedans donc on a qu'à choisir qui chef il t'a même goûter plat là et puis il a acheté un plat de chef ça tout monde besoin faire réservation pour participer qui ça pour le faire bon yo ka rele dans différents numéros que nous gagnons mon ka dire 3-702-3004 et puis déjà y a ka gagne toute information et puis nous tout sur toutes réseaux sociaux nous sur Facebook sur Twitter et puis sur Instagram donc connait tout monde gagne ba ça donc y a ka joindre toute information sur le chef donc yo ka vinn ticket dans game box et puis Graph City Timel collection Kavin Tikeo là tout. Bon, eh bien, messieurs, nous disons bonne chance et m'espère que le public a fait des déplacements pour applaudir le combat des chefs et des chefs qui vont s'affronter et demain soir et sous Congo Boucho Vini et sous Mangean Pilto Vini. Vini. Mais l'autre dit nous que c'est un bon menu. Ça veut dire que c'est acheter, voilà, acheter manger. Oui, un menu spécial que nous-mêmes, moi-même, chef Alain, avec deux autres chefs qui nous mettent en place. Et puis, nous avons acheté à la carte le menu. Rapidement, vous avez besoin de nous. Nous, là, pour travailler avec dans l'hôtel, dans le restaurant, ou bien nous sommes des chefs privés aussi, que en particulier, nous avons fait manger la carte. Oui, le chef, nous avons fait manger la carte. Nous avons fait consultant dans l'hôtel. Excusez-moi, nous avons déjà acheté des bagages, mais il dit que c'est. C'est chef qui doit même faire manger après ça. Ou bien est-ce que on tout venir débarquer avec toute bagaille avec ou il y a deux choix. Il y a deux choix. Déjà église qu'on voulait que nous préparer pour eux ou bien on livrer le choix à nous-mêmes pour nous venir pour nous faire ça pour petite famille ou bien pour petite famille, grande famille ou famille de 3 monde par exemple. De 3000. 3000 jusqu'à 3000. Bon, c'est ça, on connaît ça besoin. Mais pour une famille de 3 monde, même que c'est chef qui nous fait manger, comment on commence à disposer au départ. Moi, c'est dépend de ça mon envelée. OK. Dépend des services en vlin, dépend des ingrédients, dépend de ça mon on table manger. So. Je pas kembe non en pile. Merci en pile. Mais parce que moi nous parler pour toutes questions et vraiment me content que possibilité recevoir nos matières dans l'émission ça. D'ailleurs, avec Jean-Paul Larac et donc c'est une émission qui va passer sur Télémétropole. Activité de lancement c'est demain soir dans la réserve. Où gagne l'émission ça diffusé sur Métropole? L'a diffusé le vendredi à 7h. À 7h. On reprise le dimanche à 3h. Et on reprise le mardi que nous avons annoncé l'heure. Voilà. Eh bien, c'est, je pense que ça fait partie de nouvelles émissions qu'il y a pas dans la programmation ça Métropole. Fait... Dans l'occasion anniversaire Métropole. Donc, Métropole a commémoré l'anniversaire là, le 8 mars, disons, week-end, sa cabine là. Donc, ça fait partie de la nouvelle série d'émissions. Ça fait partie de la nouvelle série d'émissions. Et Graph City lui-même, année ça, elle a fêté 15 ans. Et il y a toute une série d'émissions qui pourra sortir pendant toute l'année. Donc, nous allons préparer au grand pilote qui va venir encore. David Destinoble, Alain Lemaire et Jean-Paul Larac, nos premiers invités de la rubrique Le Point de Métropole. Et ce matin, donc, le rendez-vous est fixé. C'est pour demain soir pour participer à ce combat entre des chefs. C'est le temps de la pause et au retour, on accueillera Madame Joanne Garnier et avec elle, on parlera notamment de la journée de la radio et de la télé en faveur des enfants. Métropole gagne déjà les mêmes trucs, émission pour Timoun, tout avec la série de Diana Show. Je crois qu'il y a des nouvelles que vous allez annoncer. En tout cas, mesdames et messieurs, restez branchés. On vous revient tout de suite
Après la pause, c'était pour la première partie de l'émission David Destinoble, Alain Lemaire et Jean-Paul Larac. Ne quittez pas, on vous revient tout de suite après la pause. Monsieur, merci. L'on atterrit dans MSC Plus, c'est comme si on était arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC Plus, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours, dans MSC Plus, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Un gros produit de qualité supérieure qui va le terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Je dis à même dans MSC Plus. Sous route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC Plus, c'est plus pour moins. Si vous besoin votre produit première nécessité, dans marché Titoni, nous jouons un bon prix. Ou même qui veut vendre, bon j'en produit cosmétique, marché Titoni, nous jouons un bon prix. Produit encore en détail pour mettre la caille, dans marché Titoni, nous jouons un bon prix. Hey, hey, quand ta boulette là, encore en détail, Tiria, encore en détail, et Tia, encore en détail. Là, en bon détail, saumon en bon détail, sans besoin, en bon détail, avec Titoni, en bon détail, et puis bon prix, en bon détail, et puis ces produits de qualité, dans marché Titoni, n'am joignons à bon prix, et puis ces cailles Titoni, produits n'ont pas expiré, marché Titoni, n'am joignons tout produit. Bob Jouen, marché Titoni, dans building, Fabnac, Boss Station, Gonaïve, là, téléphone 813 14 57 à 59. L'on atterrit dans MSC Plus, c'est comme si on était arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC Plus, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours, dans MSC Plus, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Un gros produit de qualité supérieure qui va le terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Je dis à même dans MSC Plus. Sous route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC Plus, c'est plus pour moins. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de votre intérêt. Vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Et à cette deuxième partie, on accueille madame Joanne Garnier. Et avec elle, on va parler de cette journée de la radio et de la télé en faveur des enfants. C'était en 1991 que l'UNICEF avait déclaré le 6 mars, journée de la radio et de la télé en faveur des enfants. Madame Garnier, bonjour, bienvenue sur le plateau. Bonjour Wendel et je dis bonjour aux auditeurs et aux téléspectateurs de Radio Télémétropole. D'abord, il y a un constat, vous avez fait un constat, non? D'abord, avant de parler de constat, ce serait peut-être intéressant d'informer le public pourquoi cette journée. Mm-hmm. Cette journée internationale qui a été décrétée en 1991 par l'UNICEF, c'est pour encourager les médias à accorder beaucoup plus d'espace aux enfants au niveau de la radio et de la télévision. Mais pas seulement accorder de l'espace pour passer des émissions qui traitent des questions des enfants, mais de voir aussi comment que les enfants eux-mêmes peuvent investir les médias. Donc comment ils peuvent participer à la production des émissions, comment eux-mêmes ils peuvent traiter des sujets qui les intéressent. Mmh. Bien que dans de nombreuses sociétés, la priorité est surtout réservée à l'éducation des enfants. Bon, c'est un moyen aussi d'éduquer. Hein? C'est un moyen d'éduquer. Et l'expérience a prouvé que les enfants qui participent au programme radiophonique ou au programme à la télé et qui participent eux-mêmes dans la production des émissions, ça a des effets vraiment extraordinaires,
non seulement au niveau personnel, mais aussi au niveau de la communauté, au niveau de leur famille. Ça augmente leur estime de soi. Ça leur permet également de se concentrer sur des sujets qui sont très importants et qui parfois sont traités, en fait, le plus souvent sont traités par les adultes. Mm-hmm. Donc, ça a aussi oui, mais des effets positifs sur ça peut arriver aussi qu'il y a des adultes qui préparent des émissions destinées aux enfants. Oui, ça se passe aussi. Au fait, cette journée, c'est pour les deux. C'est pour rappeler aux médias l'importance de traiter des sujets qui traitent des enfants, accorder de l'espace aux sujets qui traitent des enfants, mais également de céder la place parfois aux enfants. Parce qu'assez souvent, on se substitue aux enfants en pensant qu'on sait ce qui leur fait plaisir, en pensant qu'on veut se mettre à leur place. On peut avoir été des enfants, donc on peut quand même s'imaginer. Oui, mais on n'est plus enfants. Hein, on n'est plus enfants. Alors, c'est quoi le constat aujourd'hui? Dites-nous, qu'est-ce que vous constatez? Il n'y a pas suffisamment de place en Haïti dans les médias? C'est très sporadique. Hein. Je ne connais pas un média, la radio ou la télé, où il y a vraiment une programmation sur une base régulière. Il y a un programme qui accorde de l'espace aux enfants eux-mêmes. Il y a beaucoup d'émissions, en fait, on traite de la question des enfants dans les nouvelles. Quand il s'agit de dire que les enfants ne vont pas à l'école, quand il s'agit de dire qu'ils n'ont pas accès aux services, oui, quand il s'agit de parler de protection de l'enfant. Donc, au fait, dans les médias, en général, les enfants sont sujets de conversation, mais ils ne sont pas les acteurs de leur propre développement dans les médias. La promotion qu'on fait aujourd'hui, c'est vraiment d'accorder l'espace aux enfants, de les former, de renforcer leurs capacités. Je ne sais pas si vous avez réponse à cette question, mais quand même, pourquoi est-ce que l'UNICEF n'a pas pensé, en tant qu'organisation des Nations Unies, à s'investir davantage dans les médias et les radios de manière à créer suffisamment d'espace pour les enfants? Je suis sûre que l'UNICEF est à l'écoute, donc ce serait une question peut-être qui serait intéressée. C'est intéressant qu'ils répondent oui. Et je rappelle que vous travaillez pour IMPACT. C'est ça, je ne représente pas l'UNICEF, pour IMPACT. Yeah. Donc, à partir de cette journée, journée du 6 mars, à titre de rappel, on dira que c'est la journée de la radio et de la télé en faveur des enfants. Comment, à votre avis, Joanne Garnier, on devrait s'y prendre pour que dans 5 ans, dans 10 ans, il y ait beaucoup plus de programmes destinés aux enfants et pour lesquels, d'ailleurs, ces enfants-là seraient des acteurs? Très bien. Donc d'abord, cette journée trouve son fondement dans la convention même relative aux droits de l'enfant que Haïti a ratifiée. Et en ratifiant cette convention, l'État a pris la responsabilité, l'État a pris l'engagement de sensibiliser les médias pour que les médias accorde cet espace aux enfants. Donc d'abord, je pense que le premier point, ce serait que les médias soient imbus de la responsabilité qui leur incombe de participer et qu'ils soient davantage sensibilisés à le faire. Parce qu'il y a beaucoup de place dans la programmation. Hein, comme les invités de tout à l'heure, ils disaient que assez souvent, quand on regarde les médias, il y a beaucoup d'émissions étrangères, donc il y a de l'espace. Donc ce serait ça. Donc d'abord que les médias soient sensibilisés à le faire, mais aussi de former les enfants. Les enfants sont là, ils sont très intéressés à la question. Il y a des groupes un peu partout qui sont formés, qui peuvent faire des émissions, qui font leur enquête. D'ailleurs, ça ouvre leurs yeux vers l'extérieur et ça les empêche d'être centrés sur eux-mêmes. Et c'est un moyen également pour eux d'exercer leur citoyenneté et d'aborder des questions très importantes comme la sécurité et la réalisation de leurs droits. À votre avis, les enfants ont leur mot à dire? C'est pas mon avis, c'est un droit qu'ils ont. C'est ce que la Convention dit et c'est ce qu'on a, en fait, l'État s'est engagé à le faire à travers la Convention, oui. Et le dernier mot, Joanne Garnier? Bon, le dernier mot, c'est qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale de la radio et de la télévision en faveur des enfants. C'est une journée qui nous rappelle l'importance d'octroyer aux enfants l'espace, mais ce n'est pas l'espace pour cette journée. Les droits, c'est 365 jours. Donc, comme pour n'importe quelle autre journée, ce n'est pas ce jour-là qu'il faut que ce soit respecté. C'est un rappel. Donc c'est ça. Merci infiniment, Joanne Garnier, d'avoir accepté d'être avec nous ce matin pour nous parler de la journée de la radio et de la télé en faveur des enfants. Je peux même dire que c'est un rappel que vous êtes venu nous faire. C'est ça. Merci. Merci, Wendell. Encore une fois, passez un bon week-end. Merci à vous aussi. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre intérêt. Merci aussi de votre fidélité à cette rubrique. Passez une bonne journée avec Métropole et surtout un bon week-end. Je rappelle que dimanche, ce sera l'anniversaire de Métropole. Passez un bon week-end avec nous. À bientôt. Merci, Jean. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins. À 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Machet Titoni.